Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Kindasama, Polska et Lisa Monet. Alors grosse embrouille entre Lisa Monet et Polska après leur clash lors du live de Kindasama. Lisa Monet a décidé de mettre ses paroles à exécution. Elle s'est rendue directement au Airbnb la rejoindre pour régler ses comptes. Et je vous assure qu'elle est bien déterminée à en finir avec Polska. Après, c'est vrai que parler sur les réseaux sociaux, c'est bien beau, mais après, dans la vraie vie, il peut y avoir des répercussions et il faut faire attention à ça. Enfin bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la vidéo. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. 10 abonnés, les frères. Voyons, elle est là. Elle va niquer la mère parce que... partagez Snap, l'histoire. L'histoire est en marche, les frères. Ouh, fils de pute, partagez Snap. 10 abonnés est arrivé. On va avoir le combat. Vous la voyez pas avec son gros cul là? Attendez, focus. Focus qu'on voit son gros cul, voilà. Tu vois ou pas son gros cul? C'est bien elle. C'est bien. Bon, je vais aller là. Cette femme est déterminée. Donne la vraie adresse. Elle est déterminée, elle va en finir. Ouais, je vais donner. C'est bon, j'en ai marre. Calme-toi, c'est bon, on va aller. Cette femme est déterminée à tuer notre chaudasse polonaise. Va-t-elle y arriver, les frères? Chaudasse de quoi? C'est bon, toi et Polska, vous êtes les mêmes. Je sais pas pourquoi vous embrouillez d'ailleurs. Deux chaudasses qui s'embrouillent comme ça, c'est quoi le but? Je suis plus chaudasse qu'elle, je m'en bats les couilles. Ah, ok, donc tu es contente d'être plus chaudasse. Okay, okay. On va aller. Mais avant, je vais être sûr qu'il n'y ait pas de problème. T'as vu, moi, je suis pas là. Moi, je suis pas là pour les bagarres et tout. T'as capté? Donc, moi, je dis, viens, on essaie de régler ça à l'amiable. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Vas-y, je vais lui parler tranquillement. Je m'en bats les couilles. Non, mais dis-nous, elle t'avait dit quoi, wesh? Oh, comment ça, on va les couilles? Elle m'a dit que j'étais grosse et que j'étais à la retraite. Je vais lui niquer sa grand-mère. Non, tu sais que ça m'énerve quand elle est sa grand-mère. Je m'en bats les couilles. Lisa, dis pas des trucs de ouf. Attends. Les frères, attendez. Là, tu dis des trucs de ouf, là. Tu dis des trucs de ouf. Ok? Et t'es pas grosse, il y a juste. Frère, regardez-moi ça, s'il vous plaît. Non, mais vas-y, c'est bon. Non, c'est bon, on se rigole. Viens, regarde, on va, mais tu parles avec elle. Tranquille. Wesh, pourquoi toujours la violence? Non, 2021, discutons. Toi, t'aimes pas la violence, arrête un peu, s'il te plaît. Vas-y, c'est bon. J'aime pas la violence. Moi, je suis là pour. Non, mais viens, on y va, viens. La misère, est-ce que j'y vais ou pas? Bon, allez, c'est bon, tant pis. Mais tant que je suis là, il n'y a pas de bagarre. Hein. J'espère que tu ne m'emmènes pas dans un truc. Non, mon, c'est là. Attends, on va vite, on n'arrive pas à suivre. C'est bon, vas-y, continue, on tourne dessus. Ça y est, on est devant la porte du Airbnb. Lisa, elle parle même plus, elle est fâchée de ouf. S'il te plaît, regarde, j'ai mis une caution dans cet Airbnb, tu vois. Et tu sais très bien Airbnb comment ils sont, donc s'il te plaît, Lisa. Un peu de peine, s'il te plaît. Ah ouais, putain, elle est fâchée de ouf, hein. Bon, moi, je vais voir Polska d'abord. Laisse-moi aller la voir. Je vais la voir 2 minutes et puis après, je reviens avec elle. Comme ça, vous expliquez pas trop dans le bordel. Elle va sauter par la fenêtre. Ouais, c'est sûr, oh, putain. C'est ça qu'on veut. Je vais l'appeler, d'accord. Tu restes là 2 minutes. J'en ai pour 2 secondes. J'arrive tout de suite. Oui. Vas-y. Mais je le code. Là, tu veux, il y a Lisa Mouda, elle est venue. Parce qu'elle veut se taper avec toi. Elle est juste là devant. Genre c'est vrai. Je sais pas qui l'a ramenée. Je te jure la vie de ma mère, elle est là. Je te jure, je sais pas qui l'a ramenée, mais la tête de ma mère, elle est là juste ah là. Ah ouais. Bah je la dégage. Non mais elle est venue. Comment je la dégage? T'as vu comment elle est balèze? Je me bats la dégage. Mais tu la dégages, je n'ai pas que toi. Wesh, elle est en bas devant la porte, juste là ici. Mais tu la dégages. Elle va pas dégager. Non, tu la dégages pour de vrai. Frère, tu veux que la dégage comment? Oh là là, quel enfant. Non, frère, mais je dois pas la vie de ma mère, elle est en bas. Oui, bah tu la dégages. Je vais pas la dégager, elle veut se taper. Hier dans le live, t'as dit tu voulais taper ou pas? Oui, mais elle pas est là. Comme ça d'un coup, frère. C'est ça, pas... ça, bah, comme non, ça d'un bah... coup. Bah non. Ça, on va parler français. Non. Elle est là en bas, moi j'ai pas la dégager, c'est mort. Si. Moi, si je la dégage, elle va monter en l'air. Je sais déjà qu'elle me nique. Tu la dégages. Non, mais frère. Mais si elle te nique, toi, ça veut dire que... Non, frère, vous allez vous régler. Hier dans le live, t'as dit ça ou pas? Oui, mais pas tout de suite, là, tu la dégages. On est là pour la baguette. Non, je suis sérieux. Tu la dégages, non? Mais je vais pas la dégager! Je comprends pas, oublie! Tu vois, l'idée que je vais la dégager, c'est mort! Vous allez vous régler aujourd'hui. Tous ces blablas en live, on veut que ça se règle en vrai maintenant. Fais-nous un petit sourire en mode. C'est la bagarre! Vas-y, viens, on va! Mets des baskets, on va! Ouais, vas-y, j'arrive! Non, je suis sérieux! Ah, mais j'arrive. Non, mais non, pour de vrai! Ouais, ouais! Je vais l'appeler, hein! Ouais. Moi, je la ramène! Mais la tête de la mère, je l'appelle! Mais toi, tu crois. Attends, elle est où? Vu que là, ça va partir en couille, j'ai ramené 2 gardes du corps. Bien stock. Non, mais ça va pas se passer comme ça. Où vous êtes les gardes du corps? Bah oui, c'est là, il y a des abonnés, elle va rentrer dans l'appart. Comment ça? Maintenant. Et vous êtes là au cas où ça part en couille. Et la chirurgie de Polska? Quoi? Ah, j'avoue son nez, wesh. Quand son nez. Et moi, j'ai besoin de. Le
Mais t'es pas escale, j'en dis, c'est cuit, frère. Quoi? Mais vous êtes assez cuit, justement, pour qu'il arrive rien à son nez. Mais il va rien se passer, ramène-la nous. Vas-y, ramène-moi les amonnés. Vas-y. Non, mais t'es la sécu, tu dois pas la piquer. Wesh, et nous, on veut quand même qu'il y ait un conflit. Bah, justement, juste la sécu, comme ça. Bah, oui. Ok. Moi, le nez, j'y tiens. Vas-y, je l'appelle. Allez. Vas-y. La sécu, je vais parler. Non, mais je vais parler avec elle, en fait. Oui, oui, mais il y a la sécu. Eux, c'est la sécu. Ok, je vais parler. Tu vas pas faire autre chose que parler. Exact. Non, on est là pour parler. Mais la sécu. Frère, l'histoire est en bas. Bon, là, on va rentrer. Et tu vas parler avec elle. On a dit d'abord, tu discutes calme. Ok. On voit ce que ça dit. Tu pars pas en couille directement. D'accord. De toute façon, il y a la sécu, mettez-vous derrière moi. Mettez-vous derrière moi. Mettez-vous derrière moi. Je sais pas ça. Mais c'est bon. On rentre dans l'appart. T'es allé où, Polska? Notre invité est avec nous. Hein. T'es prête? T'es prête? Elle arrive maintenant. Bon, vas-y. La sécu, faites rentrer la. Attends. Calme le jeu, calme. Non, pas la chaussure. Non, non. Arrête. Wesh, moi je peux rien faire, tu as dit de venir, t'as dit... Frère, elle va pas partir, elle est juste là. Wesh, non, j'ai pas fait. Vache, sa place, elle a prévu. Elle va pas partir, c'est mort, non, c'est mort. Ouais, c'est mort. Non, calme-la. Elle est derrière, voilà, elle va partir en couille. Tu t'en bats les couilles, je vais ouvrir la porte, je te jure, je vais ouvrir la porte, je vais la laisser. Non, je suis sérieux. Quoi? Et je vais ouvrir la porte, j'ai pas le choix, je vais la lâcher. Je vais la laisser rentrer, j'ai pas le choix. Je la laisse rentrer? Non, sérieux, je te parle, frère, tu la rentres ou pas? Non. Je vais la laisser rentrer. Mais tu la dégages, tu comprends pas quoi? Non, non, c'est bon, arrête de faire ta loi ici. Arrête de faire ta loi ici. Mais tu veux quoi? J'ai pas son âge. Dis bien à tes gens là, moi j'ai pas son âge, frère. Dis bien à ta copine que moi j'ai 28 ans, d'accord? C'est pas être à la retraite à avoir 28 ans, d'accord? Tranquille, wesh. Rends ses cheveux, s'il te plaît. Ouais. Non, je m'en bats les couilles. Tiens, regarde. C'est arracher des extensions. Elle vous ment. Elle met même des soutifs qui sont même pas à sa taille, frère. C'est bon, c'est passé. Bon, la misère, désolé, j'ai pas pu filmer. Isamonette est trop déchaînée. Voilà, elle a perdu sa perruque. Elle est où ma perruque? Elle est en haut, wesh. Tu peux aller la chercher, s'il te plaît? Et les frères. Je suis désolé, je vous jure, j'ai pas filmé, mais c'est trop parti en couille. Elle a perdu sa perruque, regardez. Je dirais bien. Ouais, le défenseur de Liverpool, là, Virgil van Dijk. C'est la même chose, frère, la même chose. Bon, je cherche ta perruque. C'est bon. Et les frères, je suis désolé, j'ai pas pu bien filmer, c'est de ma faute.